Voilà donc ici pour une petite séquence. Voilà, déjà un indice avec le titre. Voilà, mais avec ce petit panneau lumineux. Bon, avec la lumière ça marche pas. Non, toujours pas avec la lumière, donc voilà. Je vous le mets juste devant. Voilà. C'est un petit bonus spécial JT de France 3 Auvergne. Alors, ça marche pas du tout. Laisse tomber. Laisse tomber la lumière, on va plutôt vous le mettre comme ça. Voilà. C'est mon petit bonus spécial. Parce qu'il y avait donc des journalistes de France 3 Auvergne qui sont venus me filmer et me poser quelques questions. Voilà. Évidemment, pour des raisons de droit d'auteur, pour des raisons de droit à l'image, pardon. Pour des raisons de droit à l'image, je ne diffuse que la partie qui me concerne. Les parties où je suis à l'antenne, où je suis filmé. Voilà, pas avoir de problème judiciaire. Ben, j'ai l'idée de vous montrer une partie de mon travail. Quasiment tout mon travail. Que depuis le temps que je vous en parle tout, à chaque fois, à chaque vidéo que je travaille à la mairie, que je fais de la réprographie, vous allez voir dans la petite séquence très courte ce que je fais. Parce que je vous montre pas l'autre personne qui est dans un reportage et qui parle de son point de vue, du travail. Voilà. C'est juste une toute petite partie du reportage. Avec moi dedans. Voilà, et ce sera à vous de dire si vous avez aimé cette petite séquence ou pas. Hein, un pouce bleu, pouce rouge, hein, abonnez-vous si vous voulez savoir la suite de mes aventures. Abonnez-vous et la petite cloche bien sûr pour savoir quand mes nouvelles aventures arrivent. Voilà, désolé, je fais aucun montage, c'est que l'impro, quasiment, aucun texte, aucun trucage. Voilà, juste mon petit panneau, voilà, je le remets. Mon petit panneau présentoir. Et voilà. J'ai décidé de vous mettre la vidéo tout de suite. Voilà. Je vais juste rajouter cette petite introduction à la vidéo que je vais la coller juste à côté. Voilà. Et bien sûr, je vous rappelle que on est au mois de juillet. On est quasiment à la mi-juillet. Donc, vous allez bien fêter la fête nationale. Ah oui, vous allez fêter. La fête du pays, la fête de la France. Le 14 juillet, le défilé, et puis bien sûr, les balles populaires. Et oui, les balles populaires du 14 juillet, le feu d'artifice, évidemment, qui vont tirer dans les grandes villes de France. Bon, puis bien sûr, l'habitude, hein, il y a une étape du Tour de France, peut-être un Français va gagner pour ce 14 juillet, hein, avec un peu de chance. Oui, et je vais aussi me couper les cheveux bientôt. Je vous rassure, dans la prochaine vidéo, j'aurai les cheveux plus courts. Voilà. J'en aurai coupé une grosse partie de la grosse touffe que j'ai sur la tête. Voilà, pour avant mes 2 semaines de vacances, essayer de me les faire couper. Le plus possible, parce que là, je commence à en avoir un peu. Je commence à avoir un peu marre de cette touffe là. Allez. Je vous laisse tranquille avec cette petite vidéo extrait d'un reportage, journal télévisé, la troisième chaîne, au niveau régional Auvergne. Voilà, une petite séquence qui me concerne, qu'on me voit dessus, et pas d'autres personnes que moi dessus, normalement, en principe. J'ai juste fait une petite coupure, à la fin bien sûr, parce que après, ça parle d'une autre personne et d'autres choses aussi. Voilà. Donc sur un reportage de 3 minutes, vous allez avoir une toute petite séquence de moins de 2 minutes. En moins de 2 minutes, vous allez tout voir
sur mon travail à la mairie d'Aurillac. Voilà. Ça, comme ça, je l'aurais fait, je l'aurais mis en ligne, et vous me direz si vous aimez ou pas. Abonnez-vous, faites ce que vous voulez, mettez des commentaires sur ma façon de travailler et sur ma façon de parler devant la caméra. Autour de. Enfin, hors caméra, il y avait une ou deux autres personnes qui étaient là pour me soutenir dans cette tâche ardue de répondre aux questions d'une journaliste, sympathique journaliste, avec bien sûr une caméra woman. Et oui, j'appelle ça une caméra woman. Voilà. Heureusement qu'il n'y avait que ces deux personnes. Non, c'est deux personnes qui travaillaient bien sûr pour promouvoir mon boulot. Promouvoir mon boulot à la mairie. Apparemment, je suis devenu la star maintenant de la mairie. Parce que je peux vous dire qu'il y en a vraiment très très peu qui ont eu la chance d'être dans un reportage télévisé de la troisième chaîne au niveau régional. Voilà, parce que je rappelle que c'est toute la région Auvergne qui ont vu ma tête à la télé. Avec le petit affichage Aurillac 15 et l'intitulé de mon poste Réprographe. Voilà. Maintenant, je suis quasiment connu dans toute l'Auvergne. Mais qui c'est le gars qui travaille avec Profit? Jean-François Moury. Ouais. Ben, j'ai vu là ça. Faudrait que je demande à mes cousines s'ils ont vu ce reportage. En principe, oui. Ça le regarde. Si mes cousines et ma tante le regardent. Apparemment, ma mère l'a vu. Mon père, mon frère, je pense. Si, peut-être oui, je suis quasiment sûr. Allez, j'arrête de parler. Faut que j'aille me coucher. Je voulais juste faire cette petite séquence, que je la mette accolée à cette électrique. Vous allez voir maintenant. Et on va se retrouver dans une autre vidéo. Voilà. Parce que là, j'enregistre celle-ci le lendemain de celle des précédentes. Voilà. Et deux, trois précédentes parties. Voilà, donc j'essaie de mettre un bon paquet en ligne toutes les semaines en plusieurs parties. Et maintenant, vous me dire si vous aimez ou pas. Voilà, et j'essaie de le faire toujours sur un décor qui ressemble un peu à celle où j'étais dans la précédente vidéo. Sauf que je suis maintenant de l'autre côté du canapé, un peu plus près du rideau. Et de ce panneau. Voilà. Maintenant, hop, je le laisse tranquille. Hop, je vais faire. Hop, je le cache. Hop là. Ma petite cachette à moi. Et on va se retrouver donc pour une prochaine vidéo où je vous parlerai d'autre chose que d'un reportage sur moi. Voilà. Mais ça, c'est une autre histoire. D'accord ? Alors je vous laisse, je vous dis à bientôt, ça fait presque 8 minutes, et je vais peut-être, non, je ne rajoute rien du tout, depuis les dernières vidéos, pas de nouvelles, c'est tout, pour le moment. Allez, je vous dis à plus tard, 9 minutes et c'est tout, alors tout de suite. Ma figure dans le journal, dans le reportage, mon travail, mes commentaires, enfin ma réponse à quelques questions, et sans oublier évidemment, n'oubliez pas, dites-moi si vous avez aimé ou pas, mettez des commentaires, partagez, pour que je sois peut-être un peu plus connu que dans l'Auvergne. Je plaisante, c'est vous qui voyez, hein. Allez, salut. Imprimer les documents de la ville d'Aurillac, c'est le rôle de Jean-François Maury. Ce jeune homme de 33 ans est autiste Asperger. Depuis 2 ans, il est mis à disposition du service reprographie de la municipalité par les ZAD qui l'embauchent. Mais son souhait, c'est d'intégrer véritablement les effectifs de la mairie. C'est un travail qui me plaît, parce que j'adore l'informatique.
sur la mise en page. Et c'est en plus un travail où je découvre le fonctionnement d'une mairie.